Avec Jeanne, on a souhaité explorer un lied d'Alexander von Zemlinsky, Orientalisches Sonnet, qui nous propose un voyage dans des sonorités, des couleurs et des parfums d'un Orient fantasmé. Le lied, en fait, nous transporte et nous amène au cœur d'un sérail où les femmes se reposent et profitent de la fraîcheur du soir, comme dans ce tableau de Théodore Chassériau, peint en 1853, Tepidarium, salle où les femmes de Pompéi venaient se reposer et se sécher après les bains. Le spectateur est un peu comme invité, en fait, à explorer et à épier un moment d'intimité féminin. Oui, en effet, la femme au centre du tableau attire les regards parce que la blancheur de sa peau contraste avec les couleurs chaudes et pastels qui l'entourent. Et d'ailleurs, dans le poème de Hans Gransberger, on retrouve tout au long le fantasme comme ça pour les femmes des Balkans. Dans le lied de Zemlinsky, les arpèges du piano nous plongent immédiatement dans cette ambiance suave et interdite aux hommes. Et dans le tableau de Chassériau, les courbes qui sont peintes répondent en quelque sorte aux arabesques de la voix, qui sont elles soulignées par cet intervalle de secondes augmentées qui est typique des sonorités orientales.